Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Marie. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 7 mai, la Sainte Église célèbre Sainte Rosa Venerini de 1656 à 1728. Écoutons la vie de Sainte Rosa, une vie pleine d'amour pour son Seigneur. Rosa Venerini naquit à Viterbo le 7 février 1656. Son père Godefroy, originaire de Castelleone de Suaza, après avoir obtenu à Rome la maîtrise en médecine, se transféra à Viterbe où il exerça brillamment la profession de médecin à l'hôpital alors dénommé Grand. De son mariage avec Marzia Zampichetti, fille d'une antique famille de Viterbe, naquirent 4 enfants, Dominique, Marie-Madeleine, Rosa, Horace. Rosa fut douée d'une intelligence naturelle et d'une sensibilité humaine pas commune. L'éducation reçue en famille lui permit de développer les nombreux talents dont débordait son cœur et son esprit. Son éducation enracina aussi en elle de fermes principes chrétiens. À l'âge de 7 ans, d'après son premier biographe, le père Girolamo Andressi, elle fit vœu de consacrer sa vie à Dieu. Pendant sa première jeunesse, elle connut le conflit intérieur entre les attractions du monde et la promesse faite à Dieu. Elle dépassa la crise grâce à la prière confiante et la mortification. À 20 ans, Rosa s'interrogeait sur son propre avenir. En cette époque, il n'y avait pour la femme que 2 orientations de vie. Le mariage ou la clôture. Rosa estimait l'une à l'autre voie. Cependant, elle se sentait appelée à réaliser un autre projet au service de l'Église et de la société de son temps. Après une assez longue période de recherche, marquée par bien de souffrances, elle finit par trouver une solution toute innovatrice, fruit de son attention et de sa fidélité aux appels intérieurs que le Seigneur lui adressait. En automne 1676, en Symphonie, avec son père, Rosa initia sa formation au monastère dominicain de Sainte-Catherine à Viterbe avec la perspective de réaliser son vœu. Près de la tante Anne Cécile, elle apprit à écouter Dieu avec le silence et dans la méditation. Elle resta très peu de mois dans le monastère car la mort prématurée de son père l'obligea à rester près de la maison souffrante. Les années suivantes, Rosa eut à faire face à des événements pénibles pour sa famille. Son frère Dominique mourut à l'âge de 27 ans seulement, et peu de mois après, ce fut la mort de la mère qui ne résista pas à la grande douleur de décès. Entre-temps, Marie-Madeleine,
c'était Marie. À la maison, il ne restait que Horace et Rose qui avaient déjà 24 ans, animés par le profond désir de faire quelque chose de grand pour Dieu. En mai 1684, elle commença à rassembler les enfants dans sa propre habitation pour la récitation du rosaire. La manière dont les jeunes et les mamans priaient et surtout les dialogues qui précédaient ou suivaient la prière ouvrirent l'esprit et le cœur de Rosa à cette triste réalité. La femme du peuple était esclave de la pauvreté culturelle, morale et spirituelle. Elle comprit alors que le Seigneur l'appelait à une mission plus grande qu'elle découvrit progressivement dans l'urgence de se dédier à l'instruction et à la formation chrétienne des jeunes, pas seulement à travers des rencontres sporadiques, mais par le moyen d'une école au vrai sens du mot. Le 30 août 1685, avec l'approbation de l'évêque de Viterbe, le cardinal Urbano Sacchetti, et avec la collaboration de deux compagnes, Gerolama et Colu Zettili et Porcia Bassi, Rosa laisse la maison paternelle pour fonder une première école projetée selon le plan original qu'elle avait nourri dans la prière et dans la recherche de la volonté de Dieu. Le premier objectif de la fondatrice était de donner une complète formation chrétienne aux filles du peuple et de les préparer à la vie civile. Sans grande prétention, Rosa avait ouvert la première école publique féminine en Italie. Les débuts étaient modestes et humbles, mais la portée était prophétique. La promotion humaine et l'élévation spirituelle des femmes étaient une réalité qui ne devait pas tarder à avoir l'approbation des autorités religieuses et civiles. Les débuts ne furent pas faciles. Les maîtresses eurent à affronter les résistances de la part du clergé qui se voyait privé de l'enseignement de la catéchèse fait exclusivement par lui. Cependant, la souffrance la plus cruelle venait des savants qui étaient scandalisés de l'audace de cette femme de la grande bourgeoisie de Viterbe et qui prenait à cœur l'éducation des jeunes filles impolies. Rosa affronta tout par amour pour Dieu et avec la force qu'elle trouvait auprès du Seigneur. Courageusement, elle continua sur le chemin qu'elle avait pris, convaincue que cela correspondait au vrai projet de Dieu sur elle. Les fruits lui donnèrent raison. Les mêmes curés se rendirent compte de l'assainissement moral que l'œuvre éducative générait au sein des jeunes filles et des mamans. La validité de l'initiative fut reconnue et la renommée de Rosa dépassa les frontières du diocèse. Le cardinal Marc-Antoine Barigo, évêque de Montefiascone, comprit le caractère génial du projet de Viterbe et appela
la sainte dans son diocèse, la fondatrice toujours prête à se sacrifier pour la gloire de Dieu, répondit positivement à l'invitation de 1692 à 1694. Elle ouvrit une dizaine d'écoles à Montefiascone et dans les zones qui sont aux alentours du lac de Bolsena. Le cardinal fournissait les moyens matériels et Rosa conscientisait les familles, formait les maîtresses et organisait les écoles. Au moment de retourner à Viterbe pour la consolidation de sa première œuvre, Rosa confia la direction des écoles et la formation des maîtresses à une jeune fille en qui elle avait perçu de grandes capacités intellectuelles et spirituelles, Sainte Lucie Filippini. Après l'ouverture des écoles de Viterbe et de Montefiascone, d'autres écoles furent créées dans la province du Latium. Rosa rejoignit Rome en 1706, mais la première expérience romaine fut pour elle une vraie faillite qui la marqua profondément et l'obligea à attendre si longues années avant d'avoir à nouveau la confiance des autorités. Le 8 décembre 1713, avec l'aide de l'abbé de Zatti, grand ami de la famille Venerini, Rosa ouvrit une école au centre de Rome, au flanc du Capitole. Le 24 octobre 1716, elle eut la visite du pape Clément XI qui, accompagné par 8 cardinaux, voulut assister aux leçons. Émerveillé et satisfait, il s'adressa enfin de matinée à la fondatrice avec ces mots. « Madame Rosa, vous faites ce que nous n'arrivons pas à faire. Nous vous remercions car avec ces écoles, vous sanctifierez Rome. » Dès lors, les gouverneurs et les cardinaux demandèrent des écoles pour leur territoire. L'engagement de la fondatrice devint intense, faite de pérégrinations et de fatigue pour la formation des nouvelles communautés. Ce fut une merveilleuse expérience faite de joie et de sacrifice. Là où naissait une nouvelle école, on notait un tel assainissement moral de la jeunesse. Au soir du 7 mai 1728, Rosa Venerini mourut saintement dans la maison de Saint-Marc à Rome. Elle avait ouvert plus de 40 écoles. Sa dépouille mortelle fut enterrée dans l'église de Jésus, très aimée par elle. En 1952, à l'occasion de la béatification, les reliques furent transférées dans la chapelle de la maison générale à Rome. À toutes celles qui portent le précieux prénom de Rosa, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez sainte comme votre sainte patronne. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour.